Bonjour à tous, c'est Killzoner et comme vous pouvez le voir avec cet écran titre, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre playthrough sur Castlevania Symphony of the Night. Donc si je ne me trompe pas et si je sais bien compter, on en est désormais au 4ème épisode et donc on ne va pas perdre plus de temps que ça et reprendre tout de suite l'aventure à l'endroit où nous l'avions laissé à la fin du 3ème épisode. Donc on va sélectionner mon fichier de sauvegarde. Donc voilà, c'est bien celui-là. Après 2h22 de jeu, on en est seulement à 37% de l'aventure. Donc on en a encore pour au moins 5-6 vidéos je pense. Et je suis niveau 16, on peut voir, c'est quand même plutôt pas mal. Mais je pense que avant la fin de l'aventure on aura atteint quand même le niveau je sais pas 30. Ouais 30 ça me semble pas trop mal. Enfin, on verra ça en temps voulu. Allez, on cherche tout de suite ça et c'est parti. Donc c'est pour tout dire, ça fait un petit moment que j'ai pas remis les pieds sur ce Castlevania hein, depuis l'enregistrement du 3ème épisode. Donc ça va faire un petit mois si je ne me trompe pas. Donc j'espère que j'ai pas trop perdu. J'ai quand même regardé l'épisode 3 pour savoir ce que j'avais fait hein, lors de celui-ci. Et je me souviens qu'à la fin j'étais mort pitoyablement. Alors que je vais garder ma hache que j'ai en main plutôt, au lieu de prendre la Bible. Je me souviens que j'étais mort pitoyablement dans la tour de l'horloge avec des monstres d'un niveau assez élevé qui n'avaient fait qu'une bouchée de mon Alucard. Et du coup j'hésite à y retourner pour ce début d'aventure. Juste regarder la carte pour voir s'il n'y aurait pas une portion du château que j'aurais oublié d'explorer. Alors on voit qu'il y a en haut à gauche que je n'ai pas exploré, donc ça c'est l'endroit de la tour de l'horloge. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Ensuite il y a une petite portion en bas à droite que j'ai pas exploré aussi, mais ça, enfin, ça ne me semble pas trop important, donc on va pas y aller de suite. Il y a par contre une grande portion dans la partie sud du château que j'ai pas exploré. Donc peut-être qu'on ira dans le cas où je vais mourir dans la tour de l'horloge. Hein. Je pense que j'ai quand même réessayé de passer cette tour. Au moins si j'arrive ce sera une bonne chose de faite. Et si j'arrive pas, bon, on ira voir un petit peu plus bas dans le château. Alors là je me souviens que c'était l'endroit où il faut faire des doubles sauts à foison, sinon on tombe et il y a des crânes qui font quand même pas mal de dégâts. Donc faut pas que je me trompe. Je me souviens que je m'étais fait avoir plusieurs fois lors du 3ème épisode. Donc là cet endroit est passé. Donc ça va parce que c'est pas l'endroit le plus compliqué celui-là. Ça se complique surtout après. Alors lui on va juste éviter son attaque, c'est parfait. Voilà, lui c'est pareil. Voilà, là ça se cassait, je le savais, donc du coup on va bien attendre le dernier moment pour sauter, et on va juste le faire. Ok, alors là j'ai pu sauter là, alors, je sais pas si là, non, ok, je passe, donc ça va pour l'instant. Il reste encore un saut si je me trompe pas, on va essayer de se le faire vite fait, voilà. Donc ce soir il faut que je le retienne quand deux coups ils sont morts. Là ça devrait s'effondrer, non? Non même pas, ah si. Ah et voilà, j'ai raté mon saut, fallait bien ça arrive. Du coup je suis bon pour tout recommencer. Allez, c'est pas grave, on va essayer de faire ça vite, hein. Que ça ne prenne pas 10 minutes, normalement ça devrait aller. Hein. Les deux premiers sauts, je les maîtrise. Il y a seulement le dernier sur lequel je risque de tomber. Mais maintenant que je me suis remis les choses en tête, ça devrait passer sans aucun problème. En plus, ça va, le chemin est quand même relativement court. Donc c'est parfait. Donc sinon, je ne sais pas trop si vous avez vu sur Gamers Geek, enfin sur la chaîne du moins, j'ai ajouté un petit planning qui indique que chaque mercredi, il y aura un playthrough désormais. Au moins, ça nous permettra à Frosty et à moi-même de compléter les jeux que nous sommes en train de faire. Hein. Je vous rappelle que Frosty fait son playthrough du jeu 13 hein, de son côté. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir si jamais ça vous intéresse. Moi, je regarde de temps en temps quand même, faut pas croire hein, qu'on regarde pas les vidéos qu'on fait entre nous, loin de là. Et bon, bien de mon côté, c'est Castlevania bien évidemment. Et après pour les vidéos du week-end, vous aurez soit un test, une découverte, ou bien des vidéos fun, etc. Enfin, comme ça, ça me permet un petit peu de varier les contenus, et c'est pas plus mal. Alors là par contre, je viens de voir qu'en sautant, il y a l'air d'y avoir des objets fort intéressants en haut de ces poteaux, mais je ne sais pas du tout comment on fait pour les atteindre en fait. Donc je pense qu'il doit y avoir un point un peu plus haut par lequel on pourrait sauter pour atteindre ces piliers, mais là, de là je ne peux rien faire, il faudra juste que je me souvienne qu'il y a des objets ici. Allez, donc on saute, je vais passer, voilà, c'est bon. Par contre, lui, on va se le faire, comme ça j'éviterai de me faire embêter par lui. On va lancer une petite hache, et voilà, c'est parfait. Alors, il faut que j'aille vers le haut, voilà. Ok, donc là, le petit truc imprévu, le pont qui se casse une seconde fois, mais ça va, il y a une petite plateforme en dessous, heureusement. Alors voilà, là, on est dans la tour de l'horloge, donc pour l'instant, je me suis pas fait toucher, ça devrait aller.
Alors par contre là je me souviens qu'il voilà, y avait cette tête de méduse qui parcourait l'écran à l'infini. Donc va falloir être très attentif, avoir des réflexes de fou. Allez. Donc voilà, pour l'instant ça va, cet écran a l'air d'être passé sans trop de problème. Par contre j'ai récupéré les poignards que je ne veux pas du tout. Je vais juste garder mes haches puisqu'il me semble que contre ces têtes de méduse elles sont quand même redoutables. Allez, c'est par ici. Ah par contre il me semblait qu'il y avait un petit passage vers la droite. Je vais aller voir ce qu'autant ça nous permettra de sauter sur les piliers qu'on vient de voir il y a à peine quelques secondes. Ah il me semble, ouais ça doit être ça du coup. Alors on va essayer d'y aller, alors que si je me plante pas, voilà c'est quand même un grand... là c'est du hasard complet si je passe ou non. Donc je pense que je vais faire le saut le plus loin possible et puis comme ça je verrai après si je dois doser ou pas. De toute façon je pense que si ces items sont là, c'est pas pour rien, il me semble qu'ils me seront très utiles. Allez, on saute. Ok, moi j'étais un peu loin, dommage. Donc, par contre je suis retombé sur la bonne plateforme du coup, j'aurais pas à tout me refaire, ça c'est plutôt une très bonne chose. Et du coup on saute une fois, on saute encore là, voilà. Les ennemis ont repopé, donc ça il faut que je fasse attention, donc ça, je vais essayer de se le faire, voilà. C'est parfait. On va juste tenter ce saut encore une fois, sinon c'est pas grave, on laissera tomber. On va pas y passer non plus des heures, hein. Loin de là. Allez, on avance. Parfait. Donc, pour l'instant ça va, c'est pas ce passage là que je redoute dans la tour, c'est surtout après quand il y a les sortes de harpies, etc. qui font énormément de dégâts. Ici c'est quand même plutôt simple, il y a juste à éviter les têtes de méduses, rien de bien compliqué, hein. Allez, on va juste casser ce petit truc pour voir ce qu'il y avait dedans. Ah non, c'est le caillou, le truc qu'on balance qui fait des ricochets. J'ai jamais vu aussi nul de toute ma vie. Allez, on retente encore un coup. Toc, voilà. Et cette fois, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on passe? Non. Mais écoutez, je pense en fait qu'il va me manquer une capacité pour atteindre cet endroit. Je vois pas d'autre solution. Donc du coup, bon, on va laisser tomber pour l'instant. On y reviendra très certainement plus tard, lorsque j'aurai la capacité adéquate. Voilà, par contre, je me suis fait toucher bêtement. Et vite, vite, il faut que je me libère. Voilà, parce que j'ai remarqué que si je me libérais pas, je perdais des points de vie tant que j'étais transformé en pierre. Donc du coup, il faut se libérer assez vite. Allez, on va juste l'éviter, voilà. Et du coup, on va vers la gauche. Donc voilà, c'est ici que là, ça se complique. Vous voyez, avec ces sortes d'harpies là, on va lui balancer une hache. D'ailleurs, ça les tue en un coup. Ah ouais, ça c'est bon à savoir. En plus, ça m'a fait gagner un niveau. Ça a pu me faire gagner un petit peu de vie. Sans la restaurer pour autant, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et deux coups, on l'a eu, voilà, elle aussi. On va essayer de se la faire, parfait. Mais écoutez, pour l'instant, ça va quand même plutôt mieux que lors de l'épisode précédent. En même temps, je pense avoir un peu compris la technique. Je pense que lors de l'épisode précédent, c'est un peu la fatigue qui jouait contre moi. Hein. Sauf faut dire qu'au bout d'une heure, quand même, à commenter tout le long, on fatiguait assez vite. En plus, que s'il ne me trompe pas, l'épisode, je l'ai enregistré assez tardivement. Donc du coup, c'était quelque chose à éviter pour les fois prochaines. Cette fois, ne vous inquiétez pas, je me suis pris un petit peu plus tôt quand même. Alors, donc là, il y a un truc pire que la hache, mais bon. Écoutez, j'ai pas pu faire autrement. Autant, je vais pas redescendre pour aller chercher ma hache, du coup, je vais faire avec. On va essayer de se faire cette harpie, bon, c'est pas grave. Allez, monte, voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que mes haches faisaient quand même beaucoup de dégâts, parce que là, avec... Alors là, je me fais enchaîner, ça c'est vraiment pas cool. Et on va juste passer là, voilà. Là apparemment je peux me parler un petit peu tranquille. Donc ce que je disais c'est que les haches ont l'air plus puissantes que mon épée, puisque les harpies je les tuais en un coup de hache, alors qu'avec mon épée il leur faut deux coups pour mourir. Donc ça c'est pas cool du tout. Il faudrait que je la récupère assez vite. Voilà, par contre c'est une zone assez bizarre, il y a plein d'escaliers de partout. Je sais pas quel est le bon passage, mais bon, on voudrait s'en sortir. Là faut juste faire attention à lui qui fait une grosse attaque avec son épée. Voilà, on va lui lancer des graines pour la peine. Tiens, parfait, ça l'a même tué. Allez. Du coup. Ah non, mais qu'est-ce que c'est? D'accord. Son épée est devenue vivante après, donc ça il faut faire attention. C'est la première fois que je vois ça. C'est une bonne surprise, dis donc. Alors là, les poignards, je vais quand même les préférer par rapport au couteau. Enfin, je veux dire, aux graines que je balance. Même s'ils font pas énormément de dégâts. Je pense que ça va être dû au fait que le garde se protège quand même pas mal avec son bouclier. Voilà, attention à l'épée, voilà, qui se transforme. Parfait. En fait, je pense que c'est l'esprit du chevalier en armure qui reste, et du coup l'esprit contrôle le morceau de lame brisé. Ouais, je peux aller là, c'est parfait. Dis donc, ces ennemis, je pense qu'on va en avoir pas mal. Là ils sont même deux, carrément c'est la fête. Juste m'éloigner un petit peu, les balancer à la chaîne comme ça. Attention, parce qu'ils ont quand même une longue portée avec leur truc. Tout impressionnant. Attention, là on se recule. Voilà, parfait. Ah là il passe pas, par contre mes couteaux, c'est pas grave. Attention, il va me faire une attaque. Voilà, parfait. Allez, quelques petits coups, il devrait être mourir. Voilà, lui c'est fait. Il reste juste le second, deux coups, et le dernier, et voilà. Ok, juste regarder la carte, par contre, savoir un petit peu où je suis.
Donc là apparemment le passage a l'air de se trouver vers le haut. Donc il y aurait peut-être un objet bonus en bas, c'est possible, on va voir ça tout de suite. Voilà, cette statue ne m'inspire pas confiance, on va voir. Non, ok, c'était juste un objet du décor, tant mieux. Alors donc là on continue toujours de briser les torches, hein. Je vous rappelle que ça c'est monnaie courante dans tous les Castlevania, hein. Alors que là il y a un petit passage secret. Qu'est-ce qui se cache derrière, on va aller voir ça. Ah bah tiens, un objet, vraiment une armure Healing Mail. On va vérifier ça de suite, donc menu Start, équipé. Donc l'armure c'est juste là, voilà. Et c'est bien ça, Healing Mail. Elle fait quoi? Elle augmente pas mes capacités particulièrement, je trouve. Elle fait même baisser ma défense, donc du coup on va... Ah non, regardez, Restore HP While Walking. Ah, donc elle est moins puissante en défense que mon armure, mais elle permet de restaurer ma vie au fur et à mesure que je marche. Donc écoutez, je pense que je vais la préférer à ma Silver Plate que j'ai actuellement, parce que restaurer ma vie pendant que je marche, c'est quand même fort utile. Vous serez d'accord avec moi, je pense. Allez, c'est parfait, on va vérifier ça. Est-ce que je regagne de la vie? Donc pour l'instant j'ai 31 points de vie. Est-ce que ma vie remonte? Ouais, regardez, je viens de gagner un point de vie. Donc quand même, c'est pas super rapide la restauration, c'est vrai. Mais je pense que je serai gagnant au final quand même. Et puis si c'est pas le cas, j'ai toujours mon ancienne armure sur moi. Du coup, je vais vraiment sortir. Donc là, il y a l'air d'y avoir des sortes de pendules même, sur lesquelles je vais devoir marcher pour passer très certainement de l'autre côté. Ça rappelle un petit peu Super Castlevania 4 pour ceux qui l'ont fait avec le niveau des chandeliers, qui était d'ailleurs très impressionnant pour l'époque en raison des capacités techniques de la Super NES. Allez, donc on avance, on a d'ailleurs une petite musique bien sympathique, hein. De toute façon, souvenez-vous que dès que nous tombons sur un thème musical que nous n'avons pas encore écouté, je vous le ferai bien évidemment, enfin on l'écoutera tous ensemble, histoire de voir si c'est un thème plutôt excellent ou s'il reste moyen, enfin on appréciera celui-ci. Donc par contre, je viens de me rendre compte que j'ai récupéré une arme apparemment. Donc voilà, mon Boaka Knife, ok. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est passé mon attaque de 22 à 37, mais souvenez-vous, comme les... comme par exemple, regardez cet arc qui fait passer lui aussi mon attaque de 22 à 37, ce sont apparemment des armes à usage unique qu'il vaut mieux réserver contre les boss. Hein, regardez, c'est ce qui est marqué entre crochets, hein, use. Donc c'est un truc qui indique que je peux l'utiliser seulement une seule fois. Donc on va pas l'utiliser contre des ennemis classiques, on va le garder lorsque je serai en difficulté. Allez, on avance, donc là ouais, c'est bien ça, je vais rejoindre un endroit que j'aurais apparemment déjà exploré. Ah, il y a même un boss, d'accord. Ok, donc là je risque de mourir, d'accord, ouais, avec la vie qui me reste, c'est fort logique. Alors j'ai essayé de l'enchaîner sans mourir, mais franchement, je garantis rien, ce serait peut-être l'occasion d'utiliser une arme. Lui il va faire quoi? D'accord, ok, donc là il me reste 2 points de vie. Donc écoutez, si je meurs pas, c'est que j'ai vraiment de la chance, mais franchement là... Je pense que je vais pas avoir de chance. Quoique, si je le touche à l'infini, il a l'air de pas pouvoir attaquer. Donc écoutez, on va essayer de faire ça. Là j'ai réussi à le coincer contre un morceau de mur. Donc si j'arrive à le toucher comme ça, écoutez, ce sera quand même une victoire en mode petit joueur, c'est vrai. Mais ce sera tout de même une victoire. Allez, on va tenter de faire ça. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Allez, je sais pas combien il a de vie, par contre, je sais pas combien de temps je vais devoir faire ça. Ce qu'il faut, c'est juste que je maintienne ce rythme de saut et d'attaque à la fois. Et ça devrait passer tout seul. Par contre, c'est un boss que j'ai jamais vu dans l'univers de Castlevania. Donc c'est vraiment une première apparemment. Mais enfin, ça reste à confirmer puisque je n'ai pas fait tous les opus de cette série. Allez, donc par contre, faut pas fatiguer sur le pouce. Là, on se croirait un petit peu dans les jeux de... Enfin, on se croirait un petit peu dans un QTE où il faut appuyer sur des touches en rythme. Et là, apparemment, c'est passé. Écoutez, c'est une victoire du premier coup contre un boss. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et donc du coup, on va voir ce qu'il me propose comme objet bonus. Alors... Life max up, ok, donc il a augmenté ma capacité de vie, donc ça fait toujours plaisir. Et il m'a d'ailleurs restauré l'entière, enfin, il m'a restauré d'ailleurs complètement ma vie, donc ça fait toujours plaisir. Donc, bon, on va aller vers la gauche du coup pour voir ce qu'il se cache. Et donc, moi qui croyais que la tour de l'horloge serait apparemment le dernier niveau de ce château de Dracula, et eh bien je m'étais trompé puisque on vient de la passer, mais il n'y avait pas Dracula à la fin, donc du coup, il doit se cacher dans un autre endroit du château, et je pense que ce sera d'ailleurs très certainement dans la partie la plus basse du château, dans le sous-sol. C'est ce qui paraîtrait logique, hein, je ne pense pas qu'il soit tout en haut, là comme on peut le voir, enfin pas loin de l'endroit où je suis actuellement. Mais enfin, on verra, ce ne sont que des suppositions après tout. Alors que là, on arrive dans une zone nouvelle apparemment. Bah écoutez, ce serait peut-être la zone de boss dont je vous parlais. Ça paraît très logique même, avec une petite musique qui se met en place qu'on n'a jamais entendu auparavant, si je ne me trompe pas.
Donc ce que je vous propose, c'est de l'écouter pendant que moi j'ai monté apparemment sur ce petit élévateur. Ouais, apparemment ça a l'air d'être une petite musique stressante, mais il me semble qu'on l'a déjà eu l'occasion de l'écouter, donc ça reste à confirmer. Mais enfin, il me semble qu'on l'a déjà entendu, et je pense que du coup on n'est pas très loin de Dracula là par contre. Il y a même une salle de sauvegarde juste à côté, donc on va profiter pour sauvegarder, puisque je vous rappelle que si on meurt c'est le game over et le retour au menu principal, donc j'aimerais éviter ça quand même. Mais par contre ça sent vraiment Dracula. Donc on va vérifier ça quand même, on va juste aller voir vers le haut s'il n'y aurait pas un petit bonus à récupérer, ce qui s'avérerait fort utile quand même. Donc là il y a juste un cœur pour mon arme secondaire, je sais pas si je peux casser ces têtes de loup. Quoique, enfin c'est pas ces têtes de loup pardon, c'est têtes de lion. Non, ok, ce sont juste du décor. Ah, là il y a une arme, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Falcon, ok, bon bah j'espère que cette arme sera meilleure que celle que j'ai actuellement. Falcon, 23 à 26, ouais c'est pas mal, je gagne 3 points pour mon attaque. Donc du coup on va s'en équiper tout de suite, voilà. On va voir d'ailleurs si le skin change quand j'attaque. Non, pas de changement particulier au niveau de ça, mais enfin, rien de bien gênant. Ce qui compte, c'est que j'ai augmenté ma capacité d'attaque, ce sera quand même fort utile. Et du coup, on va aller à gauche sur ce tapis un petit peu violet là, rose, et on va voir ce qui se cache derrière. Suspense. Alors, ah, écoutez, là ça sent vraiment quand même le château Dracula hein, quand je vois ça. Là, ça rappelle vraiment le début de notre aventure. Hein. Souvenez-vous, on prenait le contrôle de Richter. Précisément à cet endroit et où on allait tuer Dracula. Hein. C'était la fin de Castlevania Dracula X d'ailleurs. Alors par contre là il me semble que j'ai pas la capacité pour monter. Du coup ça fait quoi si je tombe? Je retomberai tout en bas, ouais. Mais je vois pas d'autre solution en fait hein, parce que là pour sauter franchement faut avoir une autre capacité je pense. Hein. Écoutez, on va sauter, c'est pas grave. On va retourner dans cet endroit sur lequel j'étais déjà venu auparavant si je me trompe pas. Et on va aller explorer la partie sud du château hein, parce que je vois pas d'autre solution. Parce que ici je ne peux apparemment pas passer, on se souviendra simplement que c'est par là que Dracula se trouve. Alors là par contre je suis harcelé. Waouh, mais regardez-moi le nombre d'ennemis affichés à l'écran, c'est impressionnant là. En plus je peux pas trop me les faire. Juste essayer d'éviter de mourir pitoyablement parce que là franchement ça craint. Ah voilà, ils sont vraiment ils sont en train de harceler les trucs. Rien de bien gênant, on va essayer de trouver un endroit par lequel on pourrait passer par le bas. Parce que là, à gauche, c'était bouché. Alors, est-ce qu'il y aurait une petite ouverture? Une petite ouverture même. Alors, on avance, on avance, on avance. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'ouverture, ça c'est vraiment pas cool par contre. Peut-être vers le bout, ça serait bien. Mais bon, je suis pas vraiment certain qu'il y en ait une. Ah ouais, il n'y en a pas. Ah, juste là, au-dessus, donc du coup, il faut juste que je trouve un endroit où remonter et ce sera bon. On va juste l'éliminer, voilà. Au moins je suis tranquille. Est-ce que de là je peux monter? Ouais c'est bon. Allez, on va pouvoir retourner un petit peu dans la partie la plus basse du château. En espérant qu'on trouve un passage. Alors est-ce que j'utilise? J'avais déjà exploré. Ouais. J'avais déjà fait. Du coup là il y a un téléporteur à droite. Est-ce que ça me sera utile? Bah oui, je pense qu'on gagnera du temps en le prenant. Donc du coup c'est ce qu'on va aller faire de suite. Allez. Donc petite zone de chargement, il y a toujours le petit bonus que j'ai pu récupérer qui me fait récupérer de la vie, hein. On a pu le voir juste avant. Et donc on prend ce téléporteur pour aller dans un autre endroit du château. Alors est-ce que c'est un endroit qui me convient? Non c'est pas celui-là, je veux juste le suivant et ce sera bon. On va vérifier que c'est bien lui, c'est parfait. Allez, on a juste à descendre un petit peu et aller voir ce qu'il se cache dans les méandres. Du château de Dracula. Il me semble d'ailleurs qu'on y était déjà allé, mais qu'il y avait un ennemi vraiment costaud et que du coup j'avais décidé de rebrousser chemin. Alors, donc là c'est vraiment une grosse descente, si je me trompe pas. On va d'ailleurs prendre l'ascenseur, hein, ce sera plus utile. Et voilà, en plus, si je me trompe pas, ils sont super rapides. Ouais, c'est bien ça, regardez-moi la vitesse de ces ascenseurs, c'est vraiment très impressionnant. Allez, on descend encore une fois. Voilà, et donc c'est bien ici que nous voulions aller. On avance, on va d'ailleurs faire une petite sauvegarde au passage, hein, au cas où si je meurs ce sera toujours utile. Donc c'est par là. Je vérifie si je pouvais pas descendre vers le bas. Si, apparemment là je pouvais descendre, donc écoutez, on va aller voir ce qu'il y a. Hein. Je pense que ce sera bien utile d'y aller. Donc là il y aura un petit bonus sympa, alors que là je viens de trouver une augmentation de ma vie maximale, hein, j'ai bien fait d'y aller. Donc là, est-ce que je peux descendre? Ouais, d'accord. Je vais même continuer ma descente même, donc on va y aller, écoutez. J'y étais pas allé donc
Autant explorer vraiment à fond ce château de Dracula, ce sera toujours utile. Parfait, là j'ai fait une esquive, je sais pas trop comment, en me baissant. Bon écoutez, c'est parfait. Hein. Il y a le retour des têtes de méduses. Mais bon, vraiment, elles ont pas l'air d'être trop nombreuses, donc ça va. Bon, je sais pas ce qu'il y a en bas, là ça me semble quand même assez bizarre. Alors, est-ce que je peux descendre? Ouais. Ok. Voilà, c'est une zone assez bizarre. Là, je peux pas casser ça, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une longue vue. Est-ce que je peux en servir? Pas apparemment. Ok. Là, il y a même un aigle blanc. Je sais pas si c'est un ennemi ou si c'est un animal neutre. Bonne question. Et là, il y a quoi? Il y a une sorte de une sorte de fenêtre également, mais je ne peux pas interagir avec. Donc du coup, ça servait un peu à rien de venir là. C'était juste histoire d'apprécier le paysage, j'ai envie de dire. Allez, parfait. Donc on va remonter du coup et se diriger vers l'endroit où nous voulons aller. Donc là il y a une grille fermée apparemment. Ouais, je sais pas où est-ce qu'elle mène. Ah ok, ils me disent qu'il me manque un pass pour y aller. Donc je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver. Ça donne accès à une petite salle apparemment, mais je ne sais pas ce qu'elle renferme. Ah lui par contre, attention, est-ce qu'il va me toucher? Ouais, ok, bon c'est pas grave, écoutez, on va l'éliminer rapidement, en essayant de perdre le moins de vie possible. Un petit quand même, ça a l'air d'être un ennemi avec beaucoup de points de vie, hein, de points de vie, pardon. Regardez un peu le nombre de coups que je lui ai donné avant qu'il meure, c'est plutôt impressionnant. Il y a en plus le même un petit bouclier qui peut invoquer quand il veut. Bon, enfin, rien n'est grave, il est mort. Je regarde juste s'il lâcherait pas un petit quelque chose. Non, ok, bon c'est pas grave, on va juste aller voir ce qu'il y a là. Ok, une salle vide. Ça c'est plutôt original. Ah quand même. Un petit poulet. Bon bah c'est une bonne chose. J'ai bien fait d'aller ici. Ça pourra toujours être utile en cas de combat contre un boss. Hein. Faudra pas que j'hésite à l'utiliser. Alors donc du coup on remonte par là. Et on continue d'explorer ce château. Donc est-ce que c'est bien par là que je vais aller? Toc toc toc. Oui c'est par là. Donc on va y aller sans tarder. Hein. Voilà, nouvelle petite zone de chargement. Alors attendez juste, je regarde, parce que mon téléphone a sonné. Je regarde s'il n'afficherait pas quelque chose. Ah oui, c'est bien ça. Bon écoutez, je fais juste une petite pause, j'ai un petit contretemps. On se retrouve dans quelques secondes à peine. Re, donc que je vous explique un petit peu ce qu'il s'est passé. Alors en fait là je suis en off puisque j'ai fait une petite erreur de manipulation, hein, faut dire ce qui est. En fait j'ai relancé l'enregistrement vidéo sans relancer l'enregistrement audio. Donc heureusement je m'en suis rendu compte assez vite puisque je suis mort une petite dizaine de minutes après. Et donc comme j'ai sauvegardé entre temps, je me suis dit que ce serait quand même dommage de vous passer une partie de l'aventure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commenter un petit peu ce que j'ai fait jusqu'à arriver au point de sauvegarde. Et puis une fois qu'on y sera, je reprendrai en jeu directement. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là je continue bien sûr d'avancer pour rejoindre la partie la plus basse du château, si je puis dire. Donc là on va combattre les ennemis que j'avais pu combattre jusqu'à présent. Je rencontre d'ailleurs quelques difficultés comme vous pouvez le voir. Parce que là c'est la première fois qu'il me balance des trucs comme ça, des choses comme ça. Ce sont des, je sais pas, des sortes de pétales, si je ne dis pas de bêtises. En plus il y en a énormément beaucoup. Bon ça va, ça ne fait qu'un point de dégâts. Mais bon, faut être quand même relativement prudent. Donc je m'en sors plutôt bien et on avance. Donc juste pour la petite anecdote, mais j'aurai l'occasion de vous le dire après. La partie où je suis morte, c'est un truc vraiment tout bête en fait. Il y avait un petit bonus caché dans l'eau, je pense qu'on aura l'occasion de le voir. Et j'ai voulu aller chercher, pensant que ce serait complètement en sécurité, etc. Mais je ne me suis pas rendu compte que chaque seconde passée dans l'eau me faisait perdre, je ne sais pas, un truc du style 5 points de vie. Donc du coup, ma barre de vie a descendu extrêmement vite et je suis mort ridiculement. C'est vraiment pitoyable. Heureusement, vous ne le verrez pas en vidéo. Mais néanmoins je tenais à vous le dire, au moins vous le savez. Donc une fois qu'on reprendra en jeu, ben, je saurai ce qui m'attendra. Mais seulement pour une infime partie de la zone qui nous reste à explorer. Donc pour l'instant ça devrait tout de même aller. Donc là je continue d'avancer, hein. Là ce sont des ennemis qui sont vraiment pas compliqués à combattre, bizarrement comparé à la plante qu'on a eue il y a quelques secondes. Donc pour l'instant tout se passe bien. Donc il me semble que le point de sauvegarde n'est plus très loin. De toute façon encore 2-3 minutes je pense. Et puis on devrait y être, hein. Donc normalement comment dire, ce genre de problème ne devrait plus arriver, hein.
Je ferai attention quand j'enregistrerai mes vidéos désormais, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment pas fait attention, et heureusement que je suis mort, parce que franchement, sinon, j'aurais pu continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'heure de cet épisode, et franchement, j'aurais eu quelques difficultés. Alors là, il me semble que je vais vers la droite, puisque il y avait une partie que j'ai pas explorée, et ça va me permettre de récupérer un bonus qui va augmenter ma capacité de vie, si je ne dis pas de bêtises. On va vérifier ça tous ensemble. Donc voilà, j'ouvre la porte qui était fermée magiquement, comme le jeu, comme la traduction que j'ai faite. J'activais un petit interrupteur qui, donc là je me demandais un petit peu ce qui se passait en fait avec cet interrupteur, pardon. Je regardais la carte pour voir s'il n'y avait pas un petit passage à droite, mais apparemment ce n'est pas le cas. Et en fait l'interrupteur que je viens d'activer a débloqué un passage un petit peu plus loin sur ma gauche, et je vais m'en rendre compte assez vite, et c'est en y allant que je vais trouver un petit bonus si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais quand même m'assurer qu'il n'y a rien, parce que c'est vrai qu'au début quand on appuie sur un interrupteur comme ça, on se demande vraiment ce qui se passe. Donc d'ailleurs j'ai même reçu une petite demande d'amis en même temps. Donc rassurez-vous, maintenant je coupe mon PSN à chaque fois, comme ça il n'y aura pas de petits messages qui pourront gêner l'expérience de jeu. Je fais bien attention à tout. Voilà, donc là à chaque fois les ennemis repop une fois qu'on traverse les portes, ça c'est tout à fait logique. Donc là on continue d'avancer, donc là il me semble que le passage que j'ai débloqué est un petit peu plus loin, donc là j'ai monté si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et on va passer encore deux petites cases sur la carte, je précise. Et puis on va arriver au passage secret qui renferme le bonus de vie pour me permettre de dépasser, je ne sais pas quelle était ma limite, peut-être 110 ou autre, je n'en sais rien. Et donc là, vous voyez le passage qui vient de s'ouvrir, c'est ce petit truc rose, entre guillemets, si je puis dire. Donc là, je vais remonter ce que... Ah non, est-ce que je remonte ou pas, j'en sais rien. Oui, il me semble que je remonte parce qu'il y a un passage que j'ai pas exploré. Donc je m'en rends compte après, bien évidemment. Et donc il me semble que c'est dans ce petit passage que je débloquerai, que j'aurai une barre de vie maximale ou pas. Attends, je regarde sur la carte en même temps. Non, bah en fait c'est pas ici. Bon bah c'est juste un petit peu plus loin, donc c'est pas gênant. De toute façon c'est bientôt, si je ne dis pas de bêtises, hein, bon ça fait un petit moment que j'ai pas repris, ça fait un petit moment que j'ai fait cette partie de l'aventure, hein. Je sais pas de suite après la vidéo, loin de là, parce que c'est vrai que quand je me suis rendu compte que j'avais eu un petit problème lors de l'enregistrement audio, ça m'a un peu dégoûté pour tout vous dire, j'étais assez déçu et donc je savais pas trop comment faire, puis au final je me suis dit que cette solution était la meilleure. Donc là je suis motivé pour finir le jeu, pour vraiment passer à autre chose. Donc là c'est les vacances de Noël au moment où je vous parle, donc ça fait quand même un long moment je pense, comparé au premier, à la première partie de l'épisode que vous venez de voir. Et je suis décidé à finir ce jeu pendant les vacances pour vous proposer ensuite des épisodes régulièrement, vous permettant de suivre l'aventure sans trop de coupures. Voilà. Donc là, on se fait l'ennemi au couteau, parce que ceux-là ils sont assez compliqués avec leurs lances qui peuvent balancer dans tous les sens. Donc franchement, les attaques à distance est la meilleure des manières. Le seul problème, c'est qu'ils peuvent un peu contrer les coups. Donc je m'en sors relativement bien lorsque je vais au corps à corps. Donc là il me semble que là c'est une pièce cachée que j'ai découverte, puisque regardez sur la carte, si j'ai l'occasion de l'afficher à nouveau en fait, le passage où je suis allé n'est pas indiqué sur la carte. Donc c'est plutôt intéressant, donc ça signifie qu'il y a des passages secrets qui ne sont pas du tout indiqués. Je pense que ça va nous laisser quelques surprises. Et donc voilà, c'est le point de sauvegarde dont je vous parlais. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement en jeu et qu'on puisse continuer notre aventure. Donc moi je vous dis à tout de suite. Et voilà, après ce petit passage commenté en différé, on se retrouve cette fois-ci en plein jeu pour continuer notre exploration du château, dans sa partie la plus basse. Donc là, on va être vraiment dans les souterrains, donc on va essayer de s'en sortir tant bien que mal, et comme j'ai pu vous le dire, je vais éviter de retomber dans le piège où je suis mort bêtement. Donc là, on retrouve nos ennemis, donc j'essaie de me les faire au couteau, voilà, c'est parfait. Donc bon, on va progresser petit à petit, donc je regarde un petit peu la carte pour me remémorer tout ça. Donc je me souviens que j'avais continué d'explorer à gauche, donc je pense que c'est ce que je vais faire, autant le faire étape par étape pour éviter de se perdre, parce que là ça a l'air d'être vraiment un vrai labyrinthe avec des passages qui sont complètement cachés, qui vont se découvrir au fur et à mesure. Donc franchement, il faut être méthodique. Allez, on va continuer tranquillement mais sûrement. Voilà, alors là attention aux ennemis avec des arcs. Voilà, donc il suffit de monter un petit peu en hauteur pour les éviter, il n'y a pas de problème.
Donc juste un petit détail que je pourrais vous préciser au moment où je fais cette vidéo, tout récemment est sorti sur le PSN ce Castlevania Symphony of the Night. Donc j'ai pas eu l'occasion de le télécharger puisque comme je possède le jeu en sa version originale, si je puis dire, PlayStation 1, PlayStation première du nom, oui, je ne voyais pas la nécessité de le télécharger à nouveau. Néanmoins, si vous vous êtes intéressé de votre côté, sachez que vous pouvez le télécharger sur le PSN pour la somme peut-être d'une dizaine d'euros, j'ai pas vérifié. Il me semble en plus que le jeu est en français, mais enfin ça reste à confirmer. Mais si c'est le cas, c'est plutôt une très bonne chose pour ceux qui seraient anglophobes. Voilà. Donc là, il y a un passage vers le bas vers lequel je pourrais aller. Mais bon, je préfère continuer vers la gauche, donc on va y aller. Ah bah tiens, d'ailleurs, il y a un petit bonus qui, bah tiens, ça augmente le nombre de cœurs maximum que j'avais. C'est sûrement le bonus dont je vous parlais tout à l'heure en différé. Donc c'est parfait. Donc on repart vers la droite, puis on va descendre hein, en évitant la flèche, je pense, que là, il va nous attendre lâchement. D'ailleurs, il me semble que je vous ai pas fait écouter le thème de cette zone lors de la partie différée. Donc ce que je vous propose, c'est que je me taise et puis qu'on profite un petit peu tous ensemble de ce nouveau thème dans ce Castlevania Symphony of the Night. Donc c'est un thème quand même plutôt calme, mais qui correspond quand même assez bien à l'ambiance, de toute façon vous le verrez un petit peu plus tard. On sera dans vraiment dans des souterrains avec de l'eau de partout, donc je trouve que ça correspond parfaitement à l'ambiance. C'est un thème franchement qui reste sympathique à écouter, même s'il n'est pas aussi épique que d'autres thèmes qu'on a eu l'occasion d'écouter un petit peu plus tôt dans l'aventure. Voilà. Donc là par contre on fait une descente vraiment vertigineuse si je puis dire, alors que lui il m'a planté une flèche qui fait beaucoup de dégâts quand même, c'est relativement énorme. Donc c'est pas grave, heureusement il meurt assez rapidement, donc c'est parfait. Par contre il me semble entre temps que j'ai récupéré un arc enflammé, donc il me semble que c'est un truc qu'on utilise dans ce... enfin, un objet à usage unique. Oui voilà, c'est bien ça, il y a bien le use entre crochets, qui signifie qu'on ne peut utiliser cet objet qu'une seule fois, donc je pense que je l'utiliserai contre des boss, c'est la meilleure des solutions je pense. Allez, on va essayer de se le faire, voilà. Donc franchement, faut pas que j'hésite à aller les voir au corps à corps, parce que franchement, avec l'arme que j'ai, je les tue en un coup. Donc franchement, j'ai pas trop de quoi m'inquiéter. Allez, lui, on va même lui balancer un petit couteau, si j'arrive à le faire. Seul problème, c'est qu'avec son truc, c'est pas évident de le toucher. Ah, même mes couteaux, il les tue en un coup. Ça, c'est plutôt bon à savoir. Allez, on va se le faire. Oula, attention, oh, cette esquive de flèche, c'était plutôt joli à voir. Je ferai même un petit mode slow motion au montage. Non, je plaisante quand même, faut pas déconner. Non, je vais garder ma hache parce que je pense qu'elle pourrait être utile dans ce niveau là avec sa trajectoire en forme de cloche. Donc autant la garder. Même si le couteau quand même est utile hein. Franchement, les seuls objets décevants pour le moment, c'est la sorte de caillou qu'on balance et puis les graines. Ça sont vraiment des objets vraiment nuls et je vois pas à quoi vraiment ça peut servir hein. Alors donc là on a un premier rabranchement à notre gauche, ou bien on peut continuer de descendre. Bah, je vais juste voir ce qu'il y a en bas pour voir s'il y a un passage ou si c'est juste un cul-de-sac. Au moins je serai fixé sur la question. Alors lui on va se le faire à la hache. Écoutez, on a des haches, autant les utiliser j'ai envie de dire. Lui pareil, ah ok par contre il est dévié. D'accord, c'est bon à savoir. Voilà, nous on attend qu'il lance son attaque, au moins il baisse sa garde. Et puis on peut le toucher sans problème. Par contre j'ai récupéré un Spear Guard, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. On va aller vérifier, ça serait pas un objet, pourquoi pas une protection. Donc c'est pas ici, c'est pas non plus là. Non plus là, non plus, d'accord, bon, bah, je ne sais pas du tout ce que c'est une bonne question. Bon, de toute façon c'est pas très grave, donc on s'en fout, on fait retour et voilà. Donc là je pourrais descendre aller dans la partie vraiment juste en dessous de moi en fait quand on regarde la carte. Mais je vais pas y aller, je vais préférer explorer vers le haut parce que regardez, apparemment il n'y a aucun moyen de remonter. Donc si je veux aller visiter la gauche, pardon, c'est maintenant ou jamais parce que sinon je pense que j'aurais me retaper tout le tour du château. Donc on va remonter, voilà. En plus j'ai 130 points de vie, donc franchement j'ai de la marge. Mais il faut tout de même que je sois prudent pour éviter de mourir lamentablement comme j'ai pu le faire. Mais malheureusement vous n'aurez pas eu l'occasion de voir ça. Allez, donc on casse toujours les torches hein, bien évidemment. Alors que là ça m'a rendu mon couteau que je ne veux pas. J'ai gardé ma hache, voilà. Alors, donc là des petits cœurs, ça fait plaisir. Là j'aime bien cette partie du thème musical que nous avons. Je vous la laisse un petit peu écouter quelques secondes.
C'est quelques petites notes, je sais pas si c'est, bon ça doit être du synthé je pense, mais qui en font un petit peu de c'est, attendez, je sais même plus le nom de l'instrument, j'ai un trou énorme là, honte à moi, attendez, c'est un orgue, oui oui c'est bien ça, qui reprend un petit peu le son de l'orgue apparemment, je trouve ce passage vraiment sympa du thème, sinon le reste ben, c'est vraiment classique. Voilà, donc là j'ai récupéré quelque chose qui a augmenté ma barre de vie maximale si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est parfait et il me semble du coup on a tout exploré ici. Oui c'est bien ça, donc on peut descendre tranquillement vers le bas du niveau, même si j'aurais envie de remonter, regardez, pour pourquoi pas faire un tour vers la sauvegarde, au moins j'assure mes arrières au cas où. Mais aussi ça me permettra d'explorer la portion qui se trouve juste sur ma droite, qui descend également. Au moins ce sera fait et si jamais je passe à côté de quelque chose, et ben j'aurai pas à m'en vouloir. Donc on va remonter, j'essaie de faire ça assez rapidement tout de même. J'ai pas tué tous les ennemis non plus hein, parce que ça s'avérerait assez chiant. Donc on va juste tracer et normalement ça devrait aller je pense sans problème. Faut juste faire attention aux archers parce que c'est eux qui peuvent vraiment me faire beaucoup de dégâts avec leurs flèches. Mais bon, si je fais attention au moment où ils tirent, ça devrait passer tout seul. Regardez, pour l'instant on rencontre aucune difficulté. Ça devrait passer vraiment facilement. Voilà. Attends, alors par contre faut bien que je calcule mes sauts. Parce que c'est pas si évident que ça tout de même. Alors je passe vite. Oula. Encore une esquive de jeu, je ne sais pas comment je l'ai faite. Ça fait plaisir. Pour l'instant, la chance est avec moi, donc ça fait. Je vais pas me plaindre, hein, loin de là. Alors, on remonte. Il me semble que c'était juste là. Par contre, lui, on va se les faire rapidement. Ah, par contre, ouais. Là, il m'a bien planté. Et d'ailleurs, il va faire repop l'ennemi. Merci beaucoup, mon pote. Bon, c'est pas grave. On va lui lancer une petite hache. Voilà, au moins, on a pu le tuer. Et je vais récupérer ma hache pour ne pas prendre l'eau bénite, qui reste quand même utile. Mais bon, je préfère la hache, qui pour l'instant m'a toujours apporté une grande aide. Faut pas oublier toujours, regardez, l'objet que j'ai sur moi qui me permet de regagner un point de vie toutes les 5 secondes ou un truc du genre, ça c'est plutôt sympathique. Alors lui voilà, je me fais avec un petit coup d'épée. Et du coup je vais aller d'abord sur ma droite pour sauvegarder une nouvelle fois. On n'est jamais trop prudent hein. Voilà, override data, oui. Donc ça va, les sauvegardes sont assez rapides donc on ne perd pas trop de temps. Puis en plus ça refait le plein de mes points de vie. Donc franchement faut pas s'en priver. Voilà, ça, on a perdu seulement quelques secondes. Tout va bien, c'est pas comme si j'avais fait un détour pour y aller, donc c'est parfait. Alors, est-ce que je me le fais? Je ne sais pas. Ouais, non, il est un peu loin, du coup je vais laisser en son coin avant que j'y arrive comme ça. Ouais, non, j'ai réussi, donc c'est parfait. Ouais, je vais aller récupérer le cœur, on sait jamais. Voilà. Pour l'instant, tout va bien, ça fait plaisir. Donc franchement, pour tout dire, je ne sais pas combien de temps il nous reste... Oula, par contre, c'est une chute libre là qu'on fait, non? Est-ce que je meurs après en tombant? Je ne sais pas. C'est plutôt impressionnant, là. Waouh! Ok, bon bah en gros j'aurais pas pu aller voir la petite portion qu'il y avait juste sur ma droite en dessous de la salle de sauvegarde. On voit qu'il y a un petit espace, je sais pas trop si ce sera bien visible sur la vidéo. Mais néanmoins je vois un petit espace sur ma télé, donc sûrement il devait y avoir une zone bonus. J'aurais peut-être l'occasion d'y aller plus tard, Mais là franchement on a fait une chute impressionnante. Donc sinon j'étais en train de vous dire que je ne sais pas combien de temps il nous reste pour ce playthrough. Au moment de recharger ma partie pour reprendre, j'ai vu qu'on en était à 46%. Donc là on a une nouvelle salle de sauvegarde, pas besoin de sauvegarder, hein. Je l'ai fait il y a à peine quelques minutes. Donc on en est à 46%, je sais que pour finir le jeu, on atteint d'abord 100%, puis après il y a 100 nouveaux pourcents à faire pour atteindre les 200, et avoir vraiment fini le jeu à fond. Donc on en est seulement à un quart, donc je pense qu'on en a encore pour une bonne poignée de vidéos quoi. Voilà, donc bon, on va continuer de descendre, écoutez, de toute façon là on pourra remonter avec les parois, donc c'est pas comme si c'était une autre chute libre. Alors ici, il n'y a rien apparemment, donc on va aller vers la droite. Voilà. Alors que là, ça c'est freeze, pourquoi je ne sais pas. D'accord, peut-être un boss, ça me semblerait même logique. Bon, ben, on va voir ce qui nous attend, écoutez. Il me semble qu'on n'avait pas eu de boss encore dans cette partie, au moins ce sera fait. Alors qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Oula, c'est un ver de terre apparemment, oui, ça a l'air d'être une sorte de ver de terre. Donc il n'a pas trop l'air compliqué pour le moment, il balance des petits... Enfin, ouais... La seule chose avec laquelle il faut faire attention, c'est quand il sort de son mur pour s'approcher de nous. Mais bon, avec mes haches, franchement, j'ai choisi la bonne arme, pardon. Et je pense que je pourrais me le faire assez facilement. Le seul problème, c'est qu'on peut le toucher à sa tête seulement, on dirait. Et puis, il est même déjà mort. Bon, bah écoutez, c'était, je pense, même pas un boss complet, c'était seulement un boss intermédiaire. Ah bah tiens, d'accord, donc là, il y a l'eau qui augmente. Donc, faut que je fasse gaffe de pas finir noyé, hein, parce que c'est comme ça que je suis mort tout à l'heure. Donc on va courir le plus rapidement possible. Ah, il y avait un petit objet bonus en bas, donc là je pourrais pas les récupérer, c'est pas grave. On va aller voir ce qui nous attend en haut. Par contre, l'eau continue de monter. Alors est-ce qu'elle va monter sur l'autre écran? Aussi.
Ah non, elle s'arrête là? D'accord, bon, c'est parfait. Donc il y a une petite zone en bas à droite que j'ai pas pu aller voir, mais bon, je pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment extraordinaire, peut-être juste un petit bonus de vie ou autre. Donc c'est pas tellement gênant. On va aller jusqu'à cette vase pour trouver un petit poulet, ça fait toujours plaisir au cas où si j'ai besoin en cas d'urgence. Voilà, et donc bon, on va continuer vers la gauche pour remonter tranquillement hein, vers la zone où nous étions. Alors que là, il n'y a plus de musique, tiens. Un nouveau boss peut-être? Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, d'accord, oui, bah ça je pense que c'est un vrai boss pour le coup. D'accord, donc en gros on a eu une petite introduction au boss et là on a le vrai boss, ça fait plaisir. Et il a l'air beaucoup moins rigolo que le vert de tout à l'heure en fait. Donc il va falloir être beaucoup plus prudent. D'accord, donc là je vais pas hésiter à bourriner mes haches, écoutez, hein, on est là pour ça. Au cas où j'ai de la vie en plus sur moi avec le poulet que j'ai trouvé juste à droite. Donc je n'hésiterai pas à l'utiliser. D'accord, donc ce sont des crânes, les trucs bleus qui m'envoient. J'ai l'occasion de le voir assez rapidement. Ouais, des crânes d'eau, d'accord, bon, c'est assez original, pourquoi pas. Il me reste combien de points de vie? 64, ouais, ça descend. Donc ça va encore, les crânes me font qu'un point de dégâts. Donc franchement, ça pourrait être pire. Là, je viens de tuer une des têtes. Donc ça va. Ouais, la seule difficulté pour l'instant, c'est vraiment d'éviter les crânes bleus, qui sont pas évidents à prédire. Regardez, en plus, il y en a vraiment beaucoup chaque fois qu'elle les invoque. Donc franchement, faut gérer le truc comme il faut, mais là j'ai un peu de mal quoi, je vais pas vous le cacher. Alors par contre comment je peux l'attaquer de près, je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je sois sur les poteaux, ça c'est clair, net, précis. Mais par contre comment je fais ensuite, je ne sais pas. Est-ce que je peux l'attaquer avec mes haches? Oui je peux, bon écoutez je pense qu'on va spammer mes haches du coup. Pour l'instant ça va plutôt bien, je suis à 32 points de vie. Là je pense que je vais prendre un peu cher peut-être avec tous ces trucs. Ah quoi que j'ai réussi à tous les éviter. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Par contre j'ai plus de hache, j'ai plus beaucoup de vie non plus. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un petit poulet pour éviter de devoir recommencer hein. On va quand même essayer de se presser pour ce playthrough. Qu'est-ce que je vais remplacer? Ben, mon bouclier, ouais. Ah tiens, c'est vrai que j'ai toujours un bouclier mais j'oublie de l'utiliser à chaque fois. Ça c'est, faudrait vraiment que j'y pense plus souvent. Parce que je pense que ça aurait pu vraiment m'aider avec les crânes ou même avec le projectile qu'elle m'envoie. Donc franchement, faut pas que j'hésite. Donc on va mettre le poulet, pardon, je vais y arriver. Et donc pour l'utiliser, c'est rond, d'accord. Par contre il est tombé, c'est pas grave. Et donc je m'en sors, ok. Bon, il ne sort que 50 points de vie, donc je vais l'utiliser le second. Au moins je repasse à 115, ce sera plutôt pas mal. Et je vais reprendre mon bouclier, qui, si je l'utilise, pourra s'avérer très utile, je pense. On va vérifier s'il peut me parer tous les coups. En plus il est énorme ce bouclier, donc franchement c'est plutôt pas mal. Ouais non, il part rien du tout, même il s'est cassé, non? Ah non, ok, on l'a vu partir, mais non, il est toujours sur moi, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on allait filer vraiment un bouclier en carton, mais non, ça va. Ok, allez, donc là j'essaie de me la faire, mais bon, c'est pas évident, je sais pas comment faire. Parce que dès que je m'approche d'elle, je prends des points de dégâts. Est-ce que je peux mâcher sur ces lianes en bas? Oui, je peux, d'accord. Ça c'est bon à savoir. Et apparemment je l'ai eu. Ok, bon bah c'était pas un boss trop compliqué, je suis d'accord avec vous, le seul truc c'est que j'avais pas forcément la bonne technique, je pense, pour bien le toucher. Alors que là ça a ramé un bon coup, ça fait bizarre de voir ce Castlevania ramer, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc là ça va augmenter ma barre de vie sûrement, voilà. Et donc je suis à 154 points de vie au maximum, c'est plutôt pas mal, et ce n'est que le début, je pense qu'on va atteindre facilement les 200. Donc là je découvre un nouvel objet, qu'est-ce que c'est? J'en ai aucune idée, le Crystal Cloak. Donc on va aller dans les reliques sûrement. Il est où? Il est pas ici, peut-être un petit peu plus bas. Non plus, mais qu'est-ce que c'est que cet objet alors? Je ne sais pas. Peut-être dans mon équipement alors. Je le vois pas ici. Non plus, non plus. Ah si, Crystal Cloak. Enchanted Semi-Invisible Cape. Ok, donc en gros c'est une cape semi-invisible enchantée. Donc bah écoutez, on va la mettre, elle a l'air assez classe. En plus ouais, je crois qu'elle a augmenté un petit peu mes stats, si je ne dis pas de bêtises. Donc autant ne pas s'en priver. Voilà, c'est parfait. Alors est-ce qu'il y a un changement sur le skin d'Alucard? Bah apparemment oui, regardez, ma cape scintille un petit peu. Puis même elle est devenue violet au-dessus des épaules d'Alucard. Donc c'est assez minime, mais il y a quand même des changements physiques. C'est plutôt pas mal. Par contre je peux pas repartir par là en fait. Non, ok. Par contre j'espère que l'eau s'est baissée, parce que sinon je pourrais pas repartir en fait. Donc ça va me poser quelques soucis. On va vérifier ça. Alors est-ce que l'eau est partie ou pas? Oui elle est partie, bon bah écoutez c'est parfait. Est-ce qu'elle va remonter par contre? Non, ça a l'air d'être le cas. Bon bah c'est parfait, là il y a même une petite arme, donc on va la récupérer. Skimitar. On va voir si elle est meilleure que celle que j'ai en ce moment. Alors bah non, elle a une attaque beaucoup plus inférieure
tout simplement, à la mienne, puisque si je la mets, je passerai de 26 à 21. Donc on t'a gardé mon Falcon, qui franchement s'avère relativement puissant à ce niveau du jeu et qui ne nécessite pas d'être changé. Je vais récupérer également ce petit truc là, je sais pas trop ce que c'est. Resist Ice, d'accord, donc apparemment ce serait peut-être une potion pour résister à des sorts de glace. Donc ce sera utilisé lorsque des monstres utiliseront ce genre de pouvoir. Allez, donc on progresse, pour l'instant tout se passe bien. Donc là c'était juste un boss qui n'était pas obligatoire je pense, puisqu'il ne me semble pas que la cape soit d'une grande utilité pour progresser dans l'aventure. Hein. C'était juste optionnel, mais bon, on a bien fait d'y aller. Au moins, en plus, au cas où si je suis bloqué un petit peu plus loin, je me dirais pas « Oh non, j'aurais dû aller voir là, on n'aura pas à faire tout un détour, etc. etc. » Donc c'est plutôt tant mieux. Par contre, on va juste sauvegarder, parce que comme on a battu un boss, franchement, ça m'embêterait de devoir le refaire au cas où si je meurs, et d'autant plus si je meurs bêtement. Voilà. Allez, on avance. Parfait. Donc, il nous reste, cette partie à explorer. Qui s'avère quand même assez conséquente, hein, donc on en a pour un bon moment encore. Donc, tiens, il me semble que c'était ici que j'étais mort, lorsque je vous parlais en partie différée. Je me souviens de ces crapauds qui étaient assez horribles, vous allez pouvoir vous en rendre compte assez facilement. Donc il va falloir que je sois vraiment très prudent. Parce qu'en plus ils ont une trajectoire vraiment pas évidente à prédire. Donc là ça va pas être évident. Quoique, ouais, si je suis prudent ça devrait aller. J'ai essayé de le faire tant bien que mal. Donc là on pousse la caisse, je sais pas trop à quoi ça va servir. Ça va peut-être boucher la source ici. Ouais, mais à quoi ça a servi? Aucune idée. Moi, c'est pas grave. Donc là, on a récupéré un gros cœur, là, un petit champignon. Voilà. Alors là, je me souviens que pour tuer eux, j'avais rencontré quelques problèmes. Ah non, j'ai compris en fait. D'accord. En fait, en bouchant la fuite avec la caisse, ça remplit la zone d'eau. Et du coup, ils sont tous morts. Alors que moi, lorsque j'avais passé ce passage, je me les étais fait avec la hache en fait. Donc du coup, c'était beaucoup plus long. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là on va essayer de se le faire, je ne sais pas comment. Voilà. En gros faut pas que j'hésite à utiliser mon double saut pour me les faire, ce sera beaucoup plus simple. Donc là il y a un passage sous l'eau, mais bon comme je me pourrais. Alors regardez, je perds de la vie quand je vais dans l'eau, regardez. Juste y aller à peine quelques secondes pour que vous puissiez le voir, mais regardez la vitesse à laquelle ma barre de vie descend, c'est plutôt impressionnant quoi. Vous avez vu, ça descend beaucoup plus vite que des secondes, quoi. C'est vous dire à quel point le niveau que j'évite l'eau quoi. Peut-être que c'est dû au fait que l'eau soit gelée, parce qu'on dirait que la plateforme sur laquelle je suis c'est des glaçons en fait. Donc si j'utilise ma potion de résistance à la glace, peut-être que je pourrais aller sous l'eau. On verra. Mais bon, franchement, je pense pas qu'il y ait des... Oula, alors lui il a une langue vraiment super longue. J'essaie de me le faire, voilà. Je regarde un petit peu, ouais non, je pense qu'il doit y avoir seulement des objets bonus sous l'eau. Donc au cas où, on ira voir, mais franchement, pour l'instant, je pense pas que ce soit réellement nécessaire. En plus, il y a des ennemis même, on a pu en apercevoir un rapidement. Donc je préfère les éviter, vous savez, on n'est jamais trop prudent, ouais. En plus, il a l'air assez costaud, donc du coup, on va tracer sans aller lui dire bonjour. Je pense que ce sera amplement suffisant. Donc là, j'aimerais bien récupérer les deux bonus qui sont en bas. Mais par contre, comment faire? J'en ai aucune idée. Peut-être, est-ce qu'il y a un passage vers le bas? Oui, il y a un passage, mais il est secret, puisqu'il n'est pas dessiné sur la carte. Donc il faudra que je trouve comment y aller. Alors là il y a une nouvelle grenouille, vous voyez un petit peu les sauts qu'elles font ces grenouilles, c'est vraiment impressionnant. Et en plus quand elles sont au sol sans bouger, je peux pas les toucher, il faut que j'attende qu'elles fassent un saut. Franchement c'est pas du tout facile, c'est un coup à prendre. Je peux me les faire avec les haches donc ça passe. Voilà, ah ouais, c'est vraiment un réflexe en fait quand on les tue, c'est impressionnant quoi. Alors attention, réflexe, on se prépare. Alors quand est-ce qu'elle va faire un grand saut, je ne sais pas. Ah mais elles reviennent, d'accord. En gros je me fais avoir par ces grenouilles. Ouais, le mieux c'est encore de leur sauter dessus, enfin de leur sauter par dessus. Donc c'est ce qu'on va faire jusqu'à maintenant, hein, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc voilà. Alors juste que je vous précise, cet endroit là, c'est l'endroit où je suis mort en fait. Vous voyez le bonus qui est en dessous, je me suis dit tiens, ce serait assez intéressant de le récupérer. Et en fait, vous voyez qu'il y a du courant en fait, qui me repoussera à chaque fois. Donc du coup, je me suis dit, bah en avançant tranquillement, je devrais pouvoir y arriver quoi. Peu importe le temps que ça prendra, au final j'aurai mon bonus. Mais en fait non, puisque comme on perd de la vie, ça ne sert vraiment à rien d'y aller. Donc j'ai laissé ce bonus tranquillement à sa place. Donc nous, bon, on va aller vers la gauche. Voilà, alors que là, on entend un petit peu un bruit, il y a une sorte de cascade peut-être. Ah bah oui, c'est bien ça. Est-ce que je vais aller dessus? Je ne sais pas, on va voir. Oui, je perds de la vie en allant dessus, donc me vaut éviter. Oula, ouais, ça me fait un peu peur de descendre par contre. Est-ce que je pourrais pas remonter? Non, d'accord, bon, on va essayer de descendre prudemment par contre. Oula, en allant peut-être ici, non? Ouais. Est-ce qu'il y a un petit passage vers la droite? Il y en a un, d'accord.
Donc là il y a un petit effet de vapeur comme il y a sur les cascades, ça c'est bien fait. Bon c'est simple, hein, je vous l'accorde. Mais bon ça fait toujours plaisir. Donc là il y a un petit passage sur la droite, mais bon je ne sais pas du tout comment y aller. Parce qu'il y a l'eau, mais je pense qu'elle sera fraîche, non? Ouais, donc autant l'éviter. Et ben on va aller vers la gauche du coup, hein. Je pense que le passage en haut à droite c'était seulement un bonus. Donc il doit y avoir pas mal de passages secrets dans cette partie du château. Mais bon ça risque d'être assez compliqué d'y aller, donc autant les éviter pour le moment. Donc on avance, je sais pas sur quoi on va tomber comme objet au final, parce que je pense que c'est un objet qui va nous permettre de passer par la tour de l'horloge, mais franchement j'en ai aucune idée. Alors que là c'est vraiment complètement gelé, et même je perds de la vie petit à petit. Donc il faut que je fasse vraiment attention, au pire j'utiliserai... Ah non, j'ai récupéré de la vie. D'accord, j'ai confondu une perte de vie avec un gain de vie, donc il faut que je sois un petit peu plus attentif tout de même, au lieu de dire des bêtises. D'accord, donc eux ils inventent des glaçons, ok, qui font quand même beaucoup de dégâts. Donc nous on va les éliminer assez rapidement, voilà, d'autant plus qu'en un coup ils meurent directement. Donc autant les rusher, courir sur eux et puis leur donner un simple coup d'épée. Donc là je peux aller vers le haut, il y a un petit passage secret, donc ben, on va y aller, écoutez, on va pas se priver. On va récupérer un petit champignon. Et qu'est-ce qu'il y a sur la gauche? Bon là pour l'instant des cœurs, donc on va prendre celui-là également, voilà. Donc là il y a une petite porte rouge pour changer de zone sûrement. Et même pour rejoindre une zone bonus, bon ben on va y aller. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Donc on passe par ici. Je suis là. D'accord, ça permet de rejoindre une zone déjà explorée. Si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier ça. Oui d'accord. Et ça nous permet de récupérer de la vie. Ouais c'est bien ça, life max up. Ok, on est passé de 256 à 100 à 159. Voilà. Et donc maintenant, en restant sur ce mécanisme, j'ai pu déverrouiller le passage, qui me permettra de revenir beaucoup plus rapidement sur mes pas. D'accord, bon ben ce qu'on va faire, écoutez, c'est qu'on va d'abord finir d'explorer la partie basse du château. Parce que tant qu'à faire, on y est, ben, autant le faire, j'ai envie de dire. Et puis après, ben, je pense qu'on pourra se quitter là-dessus, puisqu'on approchera petit à petit, puisqu'on approche petit à petit même de l'heure de vidéo. Donc on casse cette torche pour récupérer un gros cœur, parce que autant faire le plein. Puisque quand je vois la carte avec une grande zone comme il y a sur la gauche, là, je me dis qu'il doit y avoir quand même un boss. Alors là, il y a... Tiens, je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Est-ce que je peux aller sur le bateau? Il est gentil ou pas, lui? Ah bah tiens, un personnage, alors je vais t'amener vers un endroit qui pourrait être intéressant pour toi. D'accord, bon, bah, pas de problème, emmène-moi. Alors, est-ce qu'il va y avoir des ennemis sur la route? Oui, d'accord, donc faut être assez attentif. Oula, non, pas dans l'eau, non. Oh mince, voilà, écoutez, je pense que là j'ai fait le truc qu'il fallait pas faire en fait. Alors, est-ce que je peux retourner sur mes pas? J'essaie de faire ça assez vite. Oui, je peux retourner sur mes pas apparemment. D'accord, bon bah j'ai eu chaud. On va remonter vers l'écran du haut pour essayer de le faire réapparaître. Voilà, il est revenu, c'est parfait. Du coup on va essayer de remonter sans tomber cette fois-ci. Je pense que je vais rester tranquillement sur le bateau, puis attendre que les chauves-souris arrivent, puisque en plus elles ont même pas l'air de venir sur moi en fait. Donc du coup je me suis cassé la tête pour rien. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Le mec il fait des choses de fou avec son bateau, pourquoi pas. Est-ce qu'il va nous remonter la cascade? Ah non, ok, il y a un mécanisme prévu et tout. Ok, c'est assez bien fait d'ailleurs, j'aime bien. Bon, c'est pour l'époque, hein, on est d'accord, mais je trouve ça quand même assez classe et ça correspond vraiment parfaitement à l'univers de Dracula. Pour le moment, franchement, ce jeu, je l'adore, moi, personnellement. Donc, si jamais vous hésitez à vous procurer, je ne saurais que trop vous conseiller de le faire, parce que franchement, depuis qu'on a commencé ce playthrough, je m'éclate. Donc là, on récupère un objet, qu'est-ce que c'est que ça? Merman statue. Ok, bah, je ne sais pas ce que ça a fait, on va vérifier ça. Relique sûrement, oui c'est bien ça. Summons the Horseman. D'accord. Alors là j'en ai vraiment aucune idée de ce à quoi ça peut nous servir pour tout vous dire. J'en ai vraiment aucune idée, tiens. À quoi ça peut servir? Bonne question. En plus on peut voir qu'il reste encore pas mal de reliques que je n'ai pas débloquées. Donc je pense qu'il doit y en avoir certaines, ça doit être du bonus, hein, comme le cube de Zoé, regardez. Qui nous affiche simplement le nombre de dégâts qu'on fait à l'ennemi, il me semble. Donc franchement c'est pas super utile. Bon là la transformation en loup c'est un plus, mais bon je m'en suis pas trop servi pour le moment. Donc peut-être que ce Merman statue est un objet bonus, c'est possible. Mais franchement... c'est pas dit, ça peut même être un objet super important pour notre quête, mais franchement j'en ai aucune idée quoi. Enfin on verra bien. Donc du coup bah on a tout exploré ici quasiment, c'est bien ça. Donc il ne nous reste plus qu'à revenir sur nos pas. Et puis je pense qu'on va aller sauvegarder, puis on se quittera ici pour ce quatrième épisode, hein. On aura bien progressé tout de même.
Là, le château est vraiment bien exploré globalement. Hein. Il nous reste seulement la partie tout en haut du château, au milieu, où c'est la tour de Dracula, normalement, avec où on est en extérieur, avec l'horloge, etc. Mais bon, avec le passage qui est bloqué pour le moment. Peut-être que l'objet que j'ai trouvé me permettra de le débloquer, justement. Et aussi, un petit passage en haut à gauche de l'écran. Regardez, une petite ligne droite qu'on n'a pas encore explorée. Je pense qu'on ira le faire lors du 5e épisode. Et puis après, il y a quelques petits carrés par-ci, par-là. Mais bon, je pense que ce doit être seulement des objets bonus ou autres. Donc je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire. Donc là on va laisser tranquillement ce personnage que je ne sais pas qui c'est. Moi ça me fait un petit peu penser au passeur, vous savez le. Moi j'ai toujours l'image du passeur sur son bateau, etc. Si je ne dis pas de bêtises, hein, ma culture draculienne n'est pas au top. Mais enfin ça me fait penser à ça pour tout vous dire. Voilà. Oula, par contre là les chauves-souris vont être un petit peu plus compliquées, du coup je vais me baisser, ce sera beaucoup plus prudent. Même si je tombe à l'eau, j'ai quand même beaucoup de vie encore, donc ça, je devrais m'en sortir sans trop de problèmes. Voilà. Alors là, voilà, il nous amène à bon port, c'est parfait. Donc on va remonter un petit peu pour aller vers la salle de sauvegarde et puis se quitter tranquillement. Alors bon, on va faire un petit peu le punker hein, sur le passage, on va pas hésiter. Voilà, donc on arrive dans la zone du début du château avec ce thème vraiment génial que j'adore. C'est vraiment pour l'instant le thème, mon thème préféré du jeu. Il reste vraiment toujours agréable à être écouté quoi. Est-ce que c'est par là que je dois aller? Oui, c'est bien par ici, donc on y va de suite. Voilà. Attendez, je regarde un petit peu ma carte. Donc j'avance tout au fond à droite et après je monte petit à petit. D'accord, pas de problème. Donc là ce sont les ennemis qu'on avait vus au tout début. Donc là je pense qu'avec l'équipement que j'ai, il devrait me poser aucun souci, même si j'arrive encore à me faire toucher pour tout vous dire. Allez, on avance. En plus je rate toutes les torches, et bien décidément je joue pas super bien ce soir. Mais bon. Pour l'instant, bon, enfin, mis à part la coupure que j'ai faite, je ne suis pas mort, il me semble, donc c'est plutôt pas mal. Allez. Oh, par contre, ouais, les zombies, j'ai un peu de mal à prédire leur apparition. J'ai sauté, ce sera beaucoup plus simple du coup. Merci de m'avoir aidé à passer. Donc là, est-ce que je peux passer par ici? Non, je peux pas couper, ouais, j'ai pas un saut assez haut, assez long même. Pour le moment, donc c'est pas grave, on va passer par ici. En plus, il n'y a aucun ennemi, non? Ouais, c'est super cool en fait. Donc voilà, on saute tranquille ici. Et la salle de sauvegarde, pardon, n'est plus très loin. Donc on avance, voilà. Et elle est où? Donc on avance, elle sera juste un peu plus haut. Ok. Donc oui, on l'efface directement. Ah, deux coups, il faut quand même. Ok, d'accord. Bon, bah, je pensais qu'en un seul coup, il serait mort, parce que c'est un ennemi qu'on a vu quand même au début de l'aventure. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Donc la salle de sauvegarde est juste ici. Bon bah voilà, c'est parfait. Bon bah écoutez, on va se quitter ici pour ce 4e épisode de notre playthrough sur Castlevania Symphony of the Night. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, bien évidemment. Restez connectés sur la chaîne. Et donc, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.